Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. On est juste à côté de Rouen, à la découverte de Christophe Mabi. Il est responsable du patrimoine autoroutier dans le groupe Sanef Abertis. Et vous allez le voir, il est très intéressant. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est un peu étrange comme lieu de rencontre, non? C'est pourquoi vous m'avez amené là? Un petit peu étrange, oui et non. On est sur un site qui est la direction de la SAPN, qui fait partie du groupe Sanef. Et puis on est à proximité d'une autoroute qu'on vient de rénover récemment, il y a moins de 6 mois. C'est l'autoroute A139, on vient de refaire la structure de la chaussée, la couche de roulement. La couche de roulement, elle est extrêmement importante pour nous en termes de sécurité. C'est la priorité pour nos clients. Et donc on va travailler avec les bitumes polymères sur des effets d'enrobés très très ouverts, avec beaucoup de vide comme les enrobés drainants pour éviter les projections d'eau. Et donc on va aller chercher des liants très performants pour accrocher bien les granulats ensemble. On part en mission apparemment. On va où ? On va aller sur la 29 à côté de Saint-Romain. On va aller voir un chantier de réhabilitation de couches de roulement. Christophe, on est où ici? C'est là où on fait l'assemblage. On est sur un site de fabrication d'enrobés au pied du chantier, hein, puisque le chantier passe juste devant. 2 fois 25 km d'enrobés à fabriquer. Et là, ici, on fabrique en moyenne à plus de 350 tonneurs, un mélange de granulats, de sable, de filaires, de bitume. Et là, c'est un bitume modifié à base de SBS. Mais justement, est-ce qu'on peut avoir un produit 100% fait à base de matières recyclables? On pourrait, techniquement c'est réalisable, on sait le faire, on a les bons bitumes, on a la bonne solution technologique. Donc là Christophe, on est sur la mise en œuvre avec l'enrobé qui vient de se poser à l'instant, à 160 degrés à peu près. Tout à fait, 160 degrés, 4 cm d'épaisseur, et on est parti pour une journée de mise en œuvre complète. Parce que l'avenir de l'autoroute pour toi, en termes d'enrobé, c'est quand même plus le recyclage que de penser déjà aux véhicules autonomes et choses comme ça. Tout à fait. Aujourd'hui, on est plus nous dans une problématique de durabilité de la couche de roulement et éventuellement de sa réutilisation ultérieurement. C'est vraiment le sujet le plus important pour nous. Les véhicules autonomes, les routes et autoroutes connectées, c'est un deuxième sujet. On essaye d'y aller tout en maintenant notre patrimoine et l'état dans lequel il doit être. La tradition, c'est le mot de la fin. Je vous invite à prendre un stylo. Je vous remets également le Shell Carifalt Book. Okay. Il me semble que vous avez élaboré pas mal de choses avec Shell dernièrement. Tout à fait. En fin d'année dernière et en début d'année, on a essayé de revoir un petit peu la gamme des bitumes, et surtout de l'éclaircir pour la rendre accessible à tous, avec des thématiques par type de route et d'autoroute. Ça devient beaucoup plus clair dans le choix des bitumes et c'est beaucoup plus rapide. Eh bien franchement, on a encore appris plein de choses avec Christophe Mabi. Je vous donne rendez-vous pour d'autres rencontres plus tard, mais moi, je vais aller finir la route. On va poser de l'enrobé. Salut!